journal par cette information, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé alerte sur les risques de graves effets secondaires de certains médicaments contre le rhume. Dans de rares cas, les produits vasoconstricteurs comme le dolirhume, l'actifed et l'umex pourraient déclencher des AVC ou des infarctus. Pour avoir un peu plus de détails sur la question, Christophe Pongui s'est rapproché du docteur Rosnei Nana. Suivez. Ne les utilisez plus. Pourquoi ? Parce que ces médicaments qui contiennent un vasoconstricteur, la pseudoéphédrine, sont certes efficaces, ça va permettre en effet de déboucher le nez, mais peuvent engendrer des effets indésirables rares, mais très graves, comme un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. L'information fait la une des médias européens, Actifed, Dolirhume, Umex, Nurofenrhum, Fervex, Rinadvil, Rinofebral, pourraient causer des effets indésirables rares, mais très grave selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et de produits de santé. Le docteur Rosnei Nana confirme l'information. Ceci étant, pourquoi en dépit de cette sonnette d'alarme, ces produits sont toujours vendus dans les pharmacies? À bon entendeur, salut.